Alors tu vends des trucs depuis ton taxi. Malin. Ouais, et je récolte aussi un paquet de ragots. C'est comme ça que j'ai entendu parler de ce truc en vente au marché. L'armée de Castillo a créé une putain d'arme chimique, nommée le PG-240X. Ils vont s'en servir pour défoncer ta révolution et toucher un max de fric en la vendant au plus offrant. Je dois intervenir. Il faut empêcher ça. Si tu veux stopper ça, tu dois voler l'arme. Mais elle est carrément instable, et l'armée la conserve bien soigneusement dans des glacières. Essaie de repérer les officiers. C'est eux qui ont les clés. Comme d'habitude. Oh, et j'allais oublier. Si l'échantillon chauffe trop, ils ramasseront tes morceaux à la petite cuillère. Du coup, quand il sera plus dans la glacière, faudra que tu l'empêches de surchauffer. Reste à l'ombre et utilise de l'eau. Heureusement que tu t'es souvenu de ce détail. Ah, dès que tu l'auras, je te sortirai de là à fond la caisse. Mais va pas croire que ces fumiers vont te laisser filer avec leur arme secrète sans rien faire. Je m'en doute. C'est parti, Lola. Voilà, Danny. On n'est plus à Yara, là. On est dans la merde. Bienvenue au parquet national. Ou ce qu'il en reste. Tu vois ça? Malheureusement, je vois. Ici, la colonel Sands règne sur son petit royaume de Barjo. J'ai entendu des rumeurs. Des drôles de rumeurs. Qu'il voue un culte à la mort. Ses disciples lui donnent leur vie volontairement. Tout ça au nom de sa philosophie de l'évolution. Cogno. Ça a l'air trop bien. Elle va servir du PG-240X pour empoisonner les réserves d'eau. On doit l'arrêter. Et où est-ce qu'elle le garde? Il paraît qu'elle s'est planquée dans un réseau de galeries. Les gens y rentrent, mais n'en sortent jamais. Il y a une première à tout. Dans le coffre, mais laisse-moi le reste. Faut bien gagner sa croûte. Ok. Attention, Danny. Ça va, Danny? Quelle que soit sa conception de l'évolution, je peux te dire que j'aime pas ça. Les laisse pas te transformer en marionnettes, d'accord? Ça va le faire. J'ai déjà connu bien pire. Je me suis engagée dans l'armée, j'étais perdue. J'avais aucune idée d'où j'allais. Thank you.
peut discuter. Allez, montre-toi. Lola, je pense avoir trouvé le cœur des ténèbres. Bien, c'est Sans qui a la clé. Trouve-la. Attends un peu. J'ai de la compagnie. Tout va bien ? Fais ce que t'as à faire. T'en fais pas pour moi. Merde. Les forces spéciales. Thank you.
Lola, j'ai repéré Sans. Ok. Tu sais quoi faire? Bonne chance. Ok. Une alarme. Chance pour évoluer. Merci pour l'entrée. Merde. Je l'ai trouvé. Lola, ça va? C'était qui? Personne. C'était seulement un ancien fanatique qui voulait rentrer chez lui. J'ai perdu maman! Où est maman? Ok. J'ai l'arme, et moi aussi j'aimerais rentrer chez moi. Je sais. Je te rejoins en point de collecte dès que possible. J'ai déjà entendu ça quelque part. Je ferais mieux de refroidir ça dans l'eau. Thank you.
Reaper, attention! Je devrais refroidir cet engin dans l'eau. Vite ce truc, c'est foutu! C'est dingue, il y a de l'eau là-bas. Je ferais mieux de refroidir ça dans l'eau.
Là, je suis à l'entrée. T'es où? J'arrive. J'essaie de... Hé hey, touche pas au volant, du con! Vous comprenez pas? La colonelle, elle m'appelle! J'ai fait une erreur! Je crois que c'est moi qui en ai fait une en te prenant avec moi! Lola? Ouais, je vais le déposer chez sa mère. Je la laisse gérer ça. Tiens bon! Lola, j'ai l'impression d'avoir commandé ce taxi hier! Je sais, mais ce gars a l'air d'être un peu paumé. Porte rouge! Porte rouge! Elles sont toutes rouges! J'ai plus beaucoup de temps, tu sais! T'enflamme pas, y a pas que toi qui joues les héros ici. Fantôme de Danny qui te parle! Aguas Lindas! Hein? Tu vis à Aguas Lindas? Putain, j'ai presque plus d'essence! Bien sûr! J'ai tout mon temps, Lola! Je pensais même me faire une petite sieste! Cool! C'est important que tu te reposes, Danny. Danny, je fais le plein, là. T'as ramené le barjot chez lui, au moins! Ben, je l'ai laissé de... Une gentille mamie a proposé de l'aider. Super! Maintenant, viens me chercher! J'arrive bientôt, Danny. Dégage le passage. Ou tu sors, ou je te sors. C'est pas trop tôt! Grouille! Pas mieux de refroidir ça dans l'eau. Merde !
Alors, il n'y a plus de risque à boire l'eau du robinet? Non. Et j'ai même réussi à m'en sortir en gardant une peau saine. C'était bien que t'aies aidé, Steve. Si on en a sauvé un, on peut peut-être tous les sauver. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'inspires.